Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, nous avons abordé le thème de la joie dans deux vidéos précédentes. Nous continuons aujourd'hui avec la troisième et dernière partie. Dans la première vidéo, nous avons discuté de l'échange de réflexions sur la joie avec Fernand Dansereau, qui nous a mis en lien avec quelques philosophes. Pardon. Avec la deuxième vidéo, nous avons continué la démarche avec le résultat de ma recherche dans les différents médias et des propositions de Frédéric Lenoir. Pour terminer notre démarche cette fois, nous développerons des pistes de solutions. Alors, pour se connaître, il faut des temps de silence, du temps d'observation ou des temps quotidiens pour de l'auto-observation. Se questionner sur soi, c'est ce que tous les beaux philosophes qui sont énumérés ici sur l'écran nous ont dit. Il faut se questionner sur soi pour devenir soi, éveiller notre discernement pour développer notre esprit critique, pour apprécier nous-mêmes ce qui est bon ou pas pour soi. Nietzsche, nous dit, deviens qui tu es. Nous sommes le fruit du regard des autres. Alors ça, c'est vrai, on peut avoir tendance à développer une personnalité pour correspondre à ce que les gens attendent de nous ou pour être aimé des gens qui nous entourent, sans nécessairement développer qui nous sommes réellement. Freud, lui, nous dit, nous reproduisons des choix qui ne nous conviennent pas. Nous sommes conditionnés inconsciemment à chercher ce qu'on connaît. Et il rajoute, il faut apprendre à se libérer du regard des autres en apprenant à se connaître. Jung aussi va dans ce sens-là. Mais dans le fond, ce que tout ce beau monde-là nous dit, et Freud, quand il dit qu'on est conditionné inconsciemment à rechercher ce qu'on connaît, c'est qu'on va reproduire. On va reproduire, souvent on va voir cette situation-là, un jeune homme qui a grandi avec une mère très autoritaire, on va trouver que c'est un hasard qu'il se choisisse une conjointe qui est très directive. Alors que dans le fond, c'est ce que cette personne-là connaît le mieux et qui lui permet un certain confort. Par contre, est-ce que ça lui permet d'être lui-même? C'est ce qu'on questionne avec ces philosophes-là. Jung nous dit, deviens qui tu es. Alors c'est un processus d'individualisation, devenir qui on est. C'est pas un processus de démarche de groupe. C'est pas non plus une façon de concevoir. Dans notre famille, on est élevé comme ça, donc on est comme ça. Non, chaque personne est individuelle. En devenant soi-même, on peut rayonner, d'où la joie. Alors on peut, quand on est bien, quand on est nous, quand on est dans notre personnalité, on rayonne avec de la joie. Jung nous parle de la persona. Peut-être avez-vous déjà entendu dire. Alors ça veut dire s'identifier à la personne que les autres pensent de nous. C'est une marque sociale qui fait que nous sommes reconnus socialement, l'image qu'on se fait de nous. Il faut tenter de reconnaître l'image que l'on veut projeter de soi. Alors, il faut démasquer la persona. Qu'est-ce qu'on fait pour correspondre aux attentes des gens à l'extérieur de nous? Et si on démasque la persona, on va pouvoir aller vers soi-même. C'est ce qu'on appelle aussi guérir les ombres en soi. Identifier les ombres en soi et des parties qui ne sont pas moi. Tout le monde trouve que je suis très gentille, aimable, toujours bien avec tout le monde, mais moi, je sais que non, j'aime être seule, j'aime ne pas être dérangée et j'ai un côté plutôt bougon. Alors, vous voyez, si je décide que je laisse ressortir certaines ombres de moi, ça va me permettre d'être moi et d'être peut-être finalement joyeuse et ressembler à la personne que les gens veulent de moi. Mais ce qui compte, c'est comment moi je me sens et est-ce que moi j'ai envie d'être comme ça. Alors ça, c'est important. Quand on reconnaît des ombres en soi, pour être qui on est, on fait cette démarche-là pour être qui on est, pour ne pas refouler. Et alors donc, il faut apprendre à traverser nos ombres pour devenir lumineux. Il y avait aussi un autre auteur qui avait, le nom va me revenir,
mais c'était en effet pour sortir de l'ombre. C'était le titre de son livre. Avec Frédéric Lenoir dans le Master Show, lui, ce qu'il nous propose, c'est de se poser d'abord une grande question. Qui suis-je? Quel est le sens de mon existence? Comment, dans le fond, je vous ai dit une question, il y en a trois, comment m'accomplir pleinement pour me réaliser? Parce que dans le fond, c'est ce qu'on cherche toute notre vie. On cherche à donner un sens à notre vie. Et pour donner un sens à cette vie-là, on a besoin de se réaliser. Et pour se réaliser, il faut être soi. Alors, voilà le mode d'emploi, si je peux dire, de Frédéric Lenoir. D'abord, il faut s'ancrer dans le moment présent. Alors, on s'ancre dans le moment présent. Oui, vous avez entendu carpe diem, ça veut dire cueillir le jour. Alors, seul l'instant présent est créateur. Par contre, le noir nous met en alerte, il nous dit, il ne faut pas être que dans l'instant. Parce qu'il y a des éléments positifs du passé qui peuvent nous aider à vivre un présent difficile. Quand on est dans l'instant, quand c'est un instant agréable, c'est merveilleux. Quand c'est quelque chose de pénible, de difficile, de triste, ce sont les expériences passées qui vont nous permettre de traverser cette période difficile. Quand on dit « vivre le moment présent », ça veut surtout dire de rester en contact avec ce qui se passe au moment où ça se passe. Essayer de ne pas tenter de fuir, de se dire que « non, je ne m'occuperai pas de ça, je ne veux pas vivre la peine qui arrive, je ne veux pas vivre le deuil qui arrive, peu importe la situation ». Prendre le temps de l'accueillir. Il y a même des gens qui s'empêchent de vivre des joies pour ne pas rire trop fort, pour ne pas déranger, pour ne pas éclabousser de leur joie sur les gens. Alors, vous voyez, il faut apprendre à équilibrer tout ça. Proust lui dit, comment réactiver les bons moments du passé? Alors, c'est bien, réactiver les bons moments du passé pour nous accompagner dans le présent. Et il nous dit aussi, il faut être capable de se projeter, d'avoir des objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectif de vie, si on n'a pas de sens dans notre démarche, mais ça va faire que l'instant présent va être pénible parce qu'on a l'impression qu'il ne sert à rien, alors que tout ce qu'on fait sert à quelque chose. Alors, c'est quand on dit vivre le moment présent, ça ne veut pas dire d'abandonner le passé et de ne pas regarder le futur. Ça veut dire d'être constructif avec les éléments du passé et pour s'organiser dans l'avenir. Donc, c'est une école, le moment présent. Alors, il faut être attentif à ce qu'on fait pour être dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, il y a de la sérotonine et de la dopamine qui se libèrent et ces hormones-là nous permettent de vivre un état de bien-être. Il faut apprendre aussi à gérer ses émotions pour retrouver sa liberté. On va le regarder un petit peu plus loin aussi, mais pour gérer ses émotions, je veux vous l'expliquer, on va retrouver notre liberté parce qu'on va être en contact avec l'émotion. Donc, on enlève tous les filtres de « je ne dois pas, il ne faut pas ». On est en contact avec l'émotion, on la vit, on l'accueille, on est dans l'instant, on se sert de notre expérience passée pour traverser une période difficile ou pour bien vivre un moment agréable pour vraiment le vivre pleinement et on va profiter de tout ça pour se projeter dans le sens de notre vie. Alors, on apprend à gérer, c'est un effort. On a dit qu'il fallait travailler ça tous les jours. Apprendre à prendre de la distance par rapport aux émotions, prendre le temps de les regarder. J'ai peur, je suis en colère, je suis triste. OK, je fais un temps d'arrêt, je regarde, je m'observe. Qu'est-ce qui se passe avec ma peur? J'ai peur d'aller en avion. Pourquoi j'ai peur d'aller en avion? J'ai peur quand l'avion décolle. Qu'est-ce qui se passe quand l'avion décolle? Quand l'avion décolle, j'ai l'impression que j'ai plus de repères. Je contrôle plus mon environnement. Pourquoi j'ai tant besoin de contrôler cet environnement-là? Qui le fait si moi je le fais pas? De répondre à ça, d'identifier tout le cheminement de ma peur, ça va permettre de mettre mon énergie à la bonne place et de peut-être réaliser que dans le fond, J'ai peur dans toutes les situations où plein de gens décident sauf moi. Et pourtant,
c'est quelque chose qui m'appartient, c'est mon voyage. Mais vous voyez, si c'est ça et que je le réalise, peut-être que de me dire, OK, là, qui prend en charge ma vie? Qui prend en charge cet environnement-là? Et si je ne le prends pas en charge, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais le décortiquer, ça va m'aider à calmer ma peur et ça va m'aider surtout à identifier mes ressources pour bien m'accompagner dans cette situation-là si j'ai à la vivre. Alors, on commence par accueillir, c'est ce qu'on fait. On se calme, on guide nos émotions. C'est un travail à faire, c'est le travail d'une vie. Alors, Spinoza dit, chaque émotion est accompagnée d'une idée. Et bien souvent, c'est cette idée-là qu'il faut aller travailler, identifier, aller la travailler pour voir est-ce que c'est une idée fausse, est-ce que c'est une idée qui est basée sur des fausses croyances ou un manque d'information ou un trop plein d'informations. On sait que c'est le problème de notre société. On est tellement stimulé, on est tellement bombardé de toutes sortes d'informations. Peut-être que j'ai trop d'informations et ça vient biaiser comment je vis les choses. Quand Spinoza nous dit, on passe d'une émotion de joie à la tristesse lorsqu'on découvre qu'il y a une idée inadéquate à l'objet de joie. Alors, si on veut être dans la joie et maintenir cette joie-là, ou du moins pouvoir la revivre fréquemment, c'est qu'il faut que cette émotion-là ait comme terre d'assise une idée qui est adéquate. Et cette idée-là, pour qu'elle soit adéquate, il faut que ce soit une idée qui est basée sur la vérité. Alors, si on s'est construit une idée sur des fausses informations, tout s'effondre. Alors, l'émotion est mélangée. Alors, quand on prend le pas de recul, on s'auto-observe, on va chercher c'est quoi l'idée qui est derrière mon émotion, peu importe l'émotion, est-ce que c'est une idée adéquate, est-ce que c'est une idée inadéquate? Alors, si c'est une idée inadéquate, je dois faire le chemin pour trouver la bonne information pour avoir une idée basée sur la réalité, sur la vérité. Alors, oui, on a des joies éphémères, mais on aimerait avoir des joies qui se perpétuent. Alors, je crois que c'est Bouddha qui nous dit qu'il faut apprendre la vertu et agir pour un meilleur monde. D'ailleurs, Bouddha nous dit de toujours chercher la voie du milieu pour avoir l'équilibre. Donc, on ne veut pas être constamment dans la peur, on n'est pas constamment dans l'euphorie. On va essayer d'aller chercher un petit équilibre. Cet équilibre-là, il y a une légende autochtone qui parle du bon loup et du méchant loup. Alors, cette légende-là dit qu'à l'intérieur de nous, on a tous deux loups, un bon loup, un méchant loup. Alors, ce que Frédéric Lenoir nous dit quand il nous parle de cette légende-là, c'est d'après vous, quel loup nous allons devenir? Est-ce que nous allons être plus dans notre personnalité un bon loup ou un méchant loup? Est-ce comment je l'identifie présentement? Et la réponse à tout ça, c'est qu'on va devenir le loup qu'on nourrit. Alors, si je nourris le bon loup, que je fais un travail sur moi, que je tente de me connaître et de respecter qui je suis et de faire respecter qui je suis, probablement que je vais être un bon loup. Je vais devenir un méchant loup pour moi si je ne fais qu'essayer de correspondre à tout ce que les gens attendent de moi. Parce que ce loup-là, c'est pas moi. Donc, il va devenir méchant pour moi. Il n'est pas nécessairement méchant pour les autres, mais bon pour moi ou méchant pour moi. Alors, il est à l'intérieur de nous, ce loup-là. N'oubliez pas ça. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à aimer. La manière dont on s'aime soi-même, c'est le modèle pour aimer les autres. Hein, dans la religion catholique, on dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, apprendre d'abord à s'aimer pour être capable de le redonner de cet amour-là aux autres, autour de nous. Pythagore, lui, nous dit respecte-toi toi-même. Alors, c'est apprendre l'amour et le respect de soi, de qui je suis, vouloir être le meilleur pour moi, pour soi-même.
il est possible d'avoir à réparer certains traumatismes pour arriver à ça. On l'a vu avec la résilience, Boris Cyrulnik. Revenir parfois sur nos pas, c'est parfois reconnaître des traumatismes ou des blessures, alors on les répare pour développer une bonne estime de soi, un respect de soi, être capable de s'aimer. Et ensuite, on retourne cette estime-là aux autres, ce respect-là et cet amour-là. C'est pourquoi il faut revenir réparer et faire une reconstruction de soi pour pouvoir être capable d'aimer les autres. Le lâcher prise pour vivre libre, ne plus subir. Alors oui, mais le lâcher prise, c'est pas nécessairement comme on entend souvent de laisser les événements agir. Le lâcher prise, c'est arrêter de vouloir être conforme à tout. On parle toujours, on parle de vous, on parle de soi, d'estime de soi, de l'amour de soi, d'être soi. Alors pour ça, il faut lâcher prise à ce soi-là qui veut s'exprimer, qui veut être libre, qui va cesser de subir. C'est souvent une période de traversée du désert, une acceptation. Il faut apprendre à dire oui à la vie. Il faut distinguer ce qui dépend de nous ou pas. Comment on peut transformer la colère en acceptation? Bien, on le voit avec la résilience, on le voit en auto-observation. Alors, on devient un acteur de sa vie. On souffre moins, on a du contrôle sur le cheminement qu'on veut prendre. Et peut-être qu'il faut apprendre à identifier quelles sont les douleurs que j'ai, que je n'ai pas acceptées. Il faut apprendre à dire oui, ça fait partie de ma vie, cette douleur-là, ou ces tristesses-là, ou ces pertes-là, des manques qu'il y a eu dans ma vie. Apprendre à les traverser maintenant, comme je vous dis, de traverser, d'accueillir une émotion, de l'observer, de voir l'idée qui est derrière. C'est la même chose quand on va trouver les douleurs qui nous habitent ou des tristesses qui nous habitent. Pour les traverser et recevoir de la joie, il faut dire oui, il faut accepter que ça fait partie de notre vie pour pouvoir leur laisser la place qu'on veut leur laisser et non pas les laisser nous imprégner de non-dits, d'interdits, de tout ce qui a pu se forger autour de nous. Parfois, il faut se laisser porter par le mouvement de la vie. Alors ça, c'est pas la même chose que on est dans la vie, on est dans un lac, et tout à coup, il y a un courant qui est fort. Si j'essaie de m'obstiner avec ce courant-là, je vais perdre mon énergie. Momentanément, je me laisse porter. Et je surveille autour de moi où est-ce que je peux m'agripper, où est-ce que je peux joindre la rive et reprendre mon chemin. Alors c'est ça, traverser la douleur pour recevoir de la joie. On dit oui à la vie. La résilience, on en a parlé, mais Nietzsche aussi en parle. Nietzsche dit, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vous avez déjà entendu ça. Alors, c'est aussi de la résilience. C'est comment on rebondit dans certaines occasions pour s'améliorer, pour progresser. C'est l'enseignement de Cyrulnik. Par la suite, on constate qu'on est plus heureux qu'avant. Parce que dans la résilience, c'est d'accueillir le moment. Il est là. Je ne nie pas qu'il y a des tortionnaires autour de moi ou qu'il y a des gens méchants puis que c'est difficile, que je dois m'en sortir. Alors, tout le chemin que je fais pour traverser ça, c'est ma résilience et ça va m'amener vers des moments de bonheur, des moments de joie. Quand il y a un changement artificiel, ça va amener une joie instantanée. Vous gagnez la loterie, c'est une joie instantanée. Après, il faut gérer tout ça, bien sûr. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est après un certain temps, quand il y a une joie instantanée, après un certain temps, les gens retrouvent leur pattern, ils retrouvent leur mode de fonctionnement habituel, les automatismes. Et c'est là qu'on perd la joie. La joie est provoquée quand elle est provoquée par un élément extérieur, là, bien sûr. Quand il y a des épreuves, qu'on essaie de prendre un temps d'arrêt pour se recueillir, pour demander à la vie de nous aider à les traverser, c'est qu'on choisit la santé. On choisit le bonheur. On décide d'être positif, résilient, réceptif
ça veut dire réceptif, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire que on voit ce qui se passe et on ne nie pas ce qui se passe. On reçoit l'information, même si elle ne nous plaît pas. On va regarder comment je peux construire quelque chose avec ça, comment je fais qu'est-ce qu'il y a de positif à retirer de tout ça et comment je peux travailler avec ma résilience. Il y a une coach de vie qui s'appelle Kelly Tuge, qui, elle, a appris aussi et enseigne aux gens comment travailler tout ça. Parce qu'elle-même, elle avoue à un moment donné qu'elle a échoué parce elle ne croyait pas plutôt en ses chances de réussite. Quand on ne croit pas en nos chances de réussite, comment avancer? C'est un peu ce que Telich nous dit. Il faut encourager le courage. Alors, il faut encourager la réussite, la joie. Il faut être positif d'abord. Les pensées positives, y ont un effet, mais ce n'est pas de la magie. C'est pas, oui, vous pouvez vous coucher en vous disant, demain, tout va aller mieux, je vais avoir une bonne santé. Mais si vous êtes dans les fast-foods, que vous vous nourrissez de friture, que vous ne mangez pas de fruits, pas de légumes, vous ne faites pas d'exercice, désolé, ça ne marchera pas, même si votre pensée est positive. Il faut aussi avoir les gestes qui vont avec. Et c'est pour ça qu'on parle de pensée positive. C'est pour conditionner tout votre être, donc dans ses agirs, pas juste dans les pensées et dans ses émotions. Alors, il faut faire des choix qu'on va peut-être répéter, rejeter des pensées qui ne sont pas propices à la réalisation de nos objectifs. Donc, ces pensées-là, bien souvent, nous viennent du passé ou de l'éducation qu'on a reçue. Donc, il faut faire un petit ménage là-dedans. Alors, on peut dire qu'on choisit de réécrire son monologue intérieur. Alors, pour réécrire son monologue intérieur, des fois, on va dire, il y a quelqu'un a parti sa cassette. Mais ça veut dire qu'il répète des choses qu'il a déjà vécues. Donc, réécrivons ce qui a besoin d'être réécrit. Soyez attentif à votre manière de vous parler intérieurement. Faites appel aux ressources de votre raison pour les modifier. Quand vous manquez quelque chose, vous échappez quelque chose, est-ce que vous vous dites, ben oui, que je suis donc gauche? Peut-être que vous ne le dites pas comme ça extérieurement, peut-être que vous le dites dans votre tête. Et peut-être que vous entendez des adultes autour de vous ou des gens autour de vous qui vous l'ont déjà dit. Il faut changer ça. Vous échappez un verre d'eau, vous dites, ah, c'est une maladresse. Ça veut dire qu'il faut que je prenne. Vous voyez, dans ma pensée positive, je me dirais, ça veut dire que là, je veux aller trop vite. Je vais me calmer, on va faire une chose à la fois, je vais ramasser mon dégât, je me reprends un verre d'eau. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Une chose à la fois, ça va bien aller. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on reconstruit un peu un cheminement, un monologue positif. C'est pas grave, renverser un verre d'eau. C'est pas marquant. Mais si vous vous tapez dessus à chaque fois, oui, ça va l'être. Alors, si vous établissez un plan, que vous vous y tenez à la lettre, il n'y a pas de raison que les choses ne s'améliorent pas. Par contre, il faut que vous laissiez de la place à l'échec qu'on va voir dans l'apprentissage. Vous savez, il y a des gens qui disent, on ne se trompe pas, on apprend. Alors oui, c'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas échapper quelque chose, briser quelque chose par inadvertance. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un drame, c'est un apprentissage sur soi ou sur quelque chose de notre environnement. Ça nous aide aussi, il faut apprendre à définir des stratégies qui vont fonctionner. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est comment je me parle, comment j'agis, comment je m'entoure. Alors, c'est ça. Donc, peut-être que s'il y a des échecs ou des manques répétés, c'est que la stratégie n'est pas la bonne pour vous. Vous avez peut-être essayé de coller le modèle de quelqu'un d'autre, mais ce modèle-là n'est peut-être pas bon pour vous. Alors, il faut identifier les obstacles. Il faut trouver des moyens de les contourner, tout en étant dans une visée constructive. On essaye de trouver l'équilibre. Choisissez de vous dire, je veux réussir des choses difficiles et je peux réussir des choses difficiles. Dans votre vie, vous en avez déjà vécu des choses difficiles, vous avez évolué pour arriver où vous êtes aujourd'hui et il y a eu des choses que vous avez manquées. C'est cette évolution-là qui vous permet d'aller un peu plus loin. Donc, c'est bénéfique pour vous. On continue ça.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Anthony Robbins. Moi, j'avais lu un livre sur lui et j'ai découvert sur Netflix un documentaire. Les guides titres en anglais, c'est I'm not your guru. Mais en français, moi, je vous dis, soyez votre gourou. Lui, il dit, je ne suis pas. Je ne suis pas votre gourou. Et les gens payent, ce qu'on voit dans le documentaire, il y a des gens qui payent 5 000 $ pour passer 5 jours dans une salle. Ils sont 2 000 personnes et ils sont là pour comme refaire justement cette cassette-là, se reconditionner. C'est comme si pendant 5 jours, ils sont prêts à donner des sous pour peser sur le reset. Je me reconditionne pour apprendre à être soi, pour développer l'amour de soi, pour se choisir, pour agir pour soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Anthony Robbins dit, on surestime ce qu'on peut accomplir dans un an, et pourtant, on sous-estime ce qu'on peut accomplir dans une vie. On a l'impression qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour faire tout ce qu'il y a à faire. Pourtant, dans un an, on va booker dans notre agenda énormément de choses, puis on est surpris à la fin de l'année que, oups, j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est surprenant. Alors qu'on a toute une vie pour tout réaliser. Prenons le temps. Il faut prendre le temps de se développer pleinement. On l'a vu, il n'y a pas juste Robbins qui le dit. Honnêtement, je ne suis pas pour ça, de débourser pour cet apprentissage-là. Vous venez d'avoir 3 vidéos gratuitement. Vous pouvez prendre le temps de faire des lectures, de vous arrêter et de développer les choses par vous-même. C'est ça le travail de l'être humain. C'est pour ça qu'on est là sur cette planète-là. On apprend à se connaître. Et quand on atteint ça, on n'a même pas besoin de la finitude, on n'a pas besoin de l'avoir atteint. Pendant qu'on se développe et qu'on s'améliore, ça contamine positivement tous les gens autour de nous. Quand on accepte d'être soi, on accepte aussi de recevoir. Et quand on accepte de recevoir, quand les gens nous font un compliment, on dit merci et on n'est pas gêné de l'accepter. C'est important de créer l'ambiance autour de nous, de s'entourer de ce qui est bon pour nous, d'identifier les sources d'un problème qui nous empêche d'être soi et d'identifier les sources de solutions qui nous permettent d'être soi. Alors, prendre conscience de ce qui nous retient, ça nous permet aussi de prendre conscience de ce qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, on fait un tri, un beau ménage. Le plus gros problème, c'est Robbins qui dit ça. Le plus gros problème, c'est de penser qu'on ne devrait pas en avoir. Et c'est vrai, il a tout à fait raison. Comment ça se fait que tout le monde, et même des fois, j'entends des très jeunes enfants de moins de 6 et 7 ans, qui sont fâchés de ne pas être parfaits et qui trouvent que, comment ça se fait qu'ils sont pas déjà parfaits. Mais voyons, on a un cheminement de vie. Alors, de penser qu'on n'aura jamais de problème, qu'on n'est pas supposé d'en avoir, puis qu'il n'y a pas d'embûche dans la vie, c'est ça le problème. C'est, on est là pour apprendre. Il y a quelque chose qu'il a dit aussi qui m'a frappé. Il a dit, quand on vous pousse, ça vous épuise. On vous use. On subit ce qu'on tolère. Et ça m'a vraiment impressionné. Et pensez-y comme il faut à cette phrase-là. Il est vrai que quand on se sent bousculé ou qu'on sent qu'on a toujours quelqu'un derrière qui pousse, qui lui en veut toujours plus, à un moment donné, on est épuisé de ça. On ressent une fatigue de ça. Les projets qui restent dans votre tête vous confinent dans le regret, la perception négative de vous. Ça, Frédéric Lenoir, Anthony Robbins aussi le disent. Et pensez-y 2 minutes, c'est vraiment ça. Ce que vous avez dans votre tête, tous les projets que vous montez dans votre tête et que vous ne réalisez pas ou que vous ne tentez pas de réaliser, ça va rester dans le regret. Et ce regret-là, ça ne peut pas développer quelque chose de positif, hein? Donc, ça développe une perception négative de vous. Ça vous dit que, ah, oh, je ne suis pas si bon que ça, je n'ai pas pris le temps, je suis trop farfelu, et anyway, ça n'aurait pas marché. Mais non. Libérez-les, ces projets-là. Si vous ne les faites pas, donnez-les à quelqu'un d'autre. Parlez-en au moins.
ça va déjà vous permettre de vous dire que vous avez au moins donné l'idée à quelqu'un. Quand les gens vont dans le séminaire d'Anthony Robbins, la dernière journée, c'est pour écrire ce qu'il appelle une question fondamentale. Il dit, les gens, écrivez votre profession de foi. Il leur demande d'écrire une phrase. Qu'est-ce que je veux devenir? Ce que je vais faire de ce que je vais devenir? Et c'est quoi mon idéal de vie en étant ce que je veux devenir? C'est déjà un bon point de départ pour essayer de changer des choses. Élever sa vie à un autre niveau, c'est quelque chose qui demande un entraînement de tous les jours, on le dit depuis la première vidéo. Oui, c'est vrai. Puis, élever sa vie à un autre niveau, ça ne veut pas dire, comme toujours, en demander plus. Ça veut juste dire de choisir un niveau différent. Il est peut-être sur l'équilibre. Il n'est pas nécessairement quelque chose qui va demander plus d'effort. L'effort qui va vous être demandé, c'est d'être vous et de respecter qui vous êtes. Frédéric Lenoir nous amène sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Avez-vous besoin de vous transformer pour être vous, pour être dans la joie? Ça se peut. On en a parlé dans les premières vidéos. Avez-vous besoin de dire la vérité? À l'aider, à des gens qui vous entourent, pour vous libérer et être, avez-vous besoin de tout ça? Comment vous avez le goût de procéder? Et des fois, oui, ça va passer par une transformation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des thérapies. Vous savez, il y a des thérapies pour les gens qui ont des dépendances. Mais c'est ça le but, c'est de se transformer pour être dans la joie, pour être bien, pour être plus près de ce qu'ils sont. Alors, c'est pas obligé d'être une dépendance. Peut-être qu'il faut vivre un moment de transformation pour être soi et pour être dans la joie. C'est aussi se poser des questions sur le cheminement qu'on a comme aidant. Est-ce que vous l'avez choisi d'être aidant? Est-ce que ça vous a été imposé? Est-ce que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, vous abandonnez la personne? Il y a des choses qu'il faut apprendre à discuter. Il y a des moments, j'ai vu des situations où l'aidé aurait voulu aller vivre dans une résidence, mais tout le monde autour pensait que c'était mieux que cette personne ne reste à domicile avec un ou des aidés qui se succédaient autour. Mais cette personne-là avait besoin, aurait préféré être dans un centre d'hébergement pour pouvoir avoir des gens autour de lui constamment et une variété et ne pas se sentir un poids pour les gens de sa famille. Alors, des fois, et là, je parlais aux aidants depuis le début, mais dans le fond, les aidés aussi, ils doivent apprendre à dire ce qu'ils veulent. Et ils doivent apprendre à le faire respecter, eux aussi. Et les aidants, vous avez des leçons à apprendre, pas toujours des gens de l'extérieur, mais parfois de l'aider. Voici, je vous ai tracé un itinéraire. Alors, c'est comme, prenez-le comme si je vous avais tracé une route pour vous rendre à l'oasis de la joie. C'est tout simple. Ça résume pas mal tout ce qu'on s'est dit. Donc, pour être dans la joie, il faut être soi. C'était la base. On a commencé comme ça. Pour être soi, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut s'accepter, s'accueillir comme on est. Pour s'accepter, il faut se pardonner ses erreurs, ses imperfections. Ça, c'est un gros bout. Pour se pardonner, il faut traverser nos zones d'ombre, accueillir nos émotions. Pour traverser nos zones d'ombre, il faut accepter les erreurs de ceux qui nous ont accompagnés durant l'enfance. Pour pardonner aux gens du passé, il faut reconnaître qu'on les a aimés et qu'on a attendu leur amour. Je vous dirais que ça, quand les gens font des thérapies, on réalise que c'est le bout le plus difficile. Mais on en ressort grandi. Pour reconnaître notre besoin d'être aimé,
Il faut accepter d'être vulnérable. Faut pas penser qu'on est tout de suite parfait. Faut accepter qu'on ait des faiblesses. Pour être vulnérable, il faut être soi. Et là, on va rentrer dans l'oasis. Pardon, l'oasis de la joie. Quand on est soi, on est dans la joie. On l'a vu. Quand on est dans la joie, on contamine par le rayonnement. Quand on contamine, on aime et on est aimé. Quand on aime et qu'on est aimé, on est dans la joie. Et là, vous voyez, c'est un cycle qui va se reprendre. Parce que quand on est dans la joie, on contamine le rayonnement. Quand on contamine, on aime, on est aimé. Quand on aime et on est aimé, on est dans la joie. Et on recommence. C'est juste ça et c'est tout ça. Je vais vous laisser sur vos réflexions, bien sûr. Vous avez toute la médiographie, les documents que j'ai consultés. Mais bien sûr, si vous voulez, je peux vous envoyer tout ça par courriel, communiquer avec moi à l'adresse courriel qui est là. Si vous avez d'autres besoins, comme on a identifié, pour vous permettre d'être vous, pardon, de vous recentrer sur vous, de retrouver un équilibre et de vous permettre de vous réaliser pleinement, vous pouvez appeler l'association bénévole. Nous sommes là pour vous aider dans toutes vos tâches d'aidant, pour vous aider à être auprès de l'aider autrement et plus efficacement. Alors, je vous rappelle que ce service a été rendu possible grâce au financement de l'appui, dont vous voyez le numéro à l'écran, et que l'appui a un service qui s'appelle Info Aidant, où vous pouvez appeler 7 jours semaine, de 8 h le matin à 8 h le soir. C'est pour vous. Alors, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon cheminement et à bientôt.